Hi, everyone. I'm Carole Bonnet, Casalt's president. I am honored once again to present our association's annual report, this time for the year 2022-2023. It has been a year full of opportunities, challenges, and successes, and Casalt has innovated and remained an engaged player in the language teaching field in Canada and beyond. LACPLUS vise à créer des occasions pour les éducateurs et les parties prenantes en langues additionnelles d'établir des liens et de réseauter. Notre journée de réseautage 2022 comprenait 5 séances simultanées sur des sujets liés à l'apprentissage professionnel en langues additionnelles, au renforcement de la communauté et aux initiatives de LACPLUS. Les participants ont également pris part à un panel intitulé « Quand commence la rétention des enseignants de français langue seconde? » Une perspective pan-canadienne sur la formation des enseignants de français langue seconde. Nous avons également participé à près de 20 événements liés aux langues additionnelles à travers le pays cette année. Les représentants de LACPLUS ont brossé un tableau de nos programmes et ressources, ont tenu des kiosques d'exposition et ont réseauté avec les participants à l'événement. Another facet of Casalt's outreach is through our professional magazine Réflexion, our website, and our e-newsletter. In 2023, Réflexion saw the introduction of themed issues. Our newsletter, Casalt InfoAct Plus, enjoys a high open rate of 59%, and our website keeps members and visitors up to date with Casalt and with the additional languages world with a dynamic homepage, an events calendar, a blog, and more. In terms of social media, we continue to share content on Facebook, Twitter, and YouTube with steady engagement and followers. I would also like to thank our partners who support our mission and our outreach activities. We value our relationships with each of our partner organizations and continue to develop them this past year. L'une des priorités de LACPLUS est d'aider ses membres à continuer d'apprendre, de développer leur pratique pédagogique et de croître en tant qu'éducateur et éducatrice. Tout au long de la dernière année, diverses ressources et occasions d'apprentissage professionnel ont permis aux membres de LACPLUS d'explorer des sujets et des enjeux d'actualité dans le domaine des langues additionnelles. We hosted 8 English and 8 French online professional learning sessions this past year with over 150 people attending. Our Casalt Chez Vous or CCV program saw significant growth. 6 CCVs took place across the country in Yellowknife, Saskatoon, Edmonton, Winnipeg, Gibson's British Columbia, and Grand Prairie, Alberta. Casalt organized each workshop along with a host organization in each city and tailored the sessions to the organization's needs. À l'automne 2022, nous avons lancé le Collab ACTUS. Cette plateforme en ligne vise à aider les enseignants de langue à créer des communautés de pratique et à leur fournir une grande variété de contenus d'apprentissage professionnel asynchrone de haute qualité. Du nouveau matériel d'apprentissage professionnel est continuellement ajouté, ce qui fait du Collab ACTUS une plateforme incontournable pour l'apprentissage professionnel et le soutien aux renforcement de la communauté. On March 23rd to 25th, 2023,
Gesalt held the first in-person edition of Languages Without Borders, or LWB, since 2019. Over 600 language educators and stakeholders gathered at Toronto's Weston Harbour Castle for this edition of the conference. Gesalt co-hosted LWB 2023 with the Ontario Modern Language Teachers Association. The conference was full of unique and enriching opportunities for language teachers from across Canada and beyond to learn, share, explore, and network. De plus, au mois de mars, se sont tenus nos défis Kahoot à l'échelle du Canada. Ces activités ont eu lieu dans le cadre de notre ressource annuelle Célébrons la francophonie, qui aide les enseignants de français langue seconde à célébrer la Semaine internationale de la francophonie avec leurs élèves. Plus de 650 élèves de partout au Canada ont participé aux quatre défis en direct. Our support project for teaching languages in a blended learning model progressed in 2023 with webinars, articles and réflexions, blogs, and new content for the Gesalt Collab. Coming up in the next year are the handbook to help teachers leverage technology to drive learning, virtual tours of innovative language classrooms across Canada, and more. Une nouvelle ressource que nous avons lancée en janvier 2023 était notre série Découvrir les langues. Ce projet met en relief les différentes langues parlées dans différentes parties du monde et il vise à susciter l'intérêt pour le plurilinguisme et le pluriculturalisme. Chaque langue est présentée dans un article de blog et accompagnée d'une activité prête à l'emploi en classe pour les enseignants de langue, laquelle peut être utilisée pour promouvoir et populariser l'apprentissage des langues parmi leurs élèves, ainsi que pour les aider à développer la conscience et la compréhension interculturelle. Gesalt also launched two projects in 2022-2023 that will take shape throughout 2023-24. A project on the decolonization and indigenization of second language pedagogy will develop four asynchronous online courses for language teachers. And the FSL Fundamentals project will help FSL teachers find support and a sense of community around FSL teaching. Stay tuned for details and updates on these two new projects throughout the coming months. LAC Plus lance, appuie et diffuse des recherches et des projets dans le domaine de l'enseignement des langues secondes. En 2023, notre projet sur la formation des enseignants de français langue seconde est passé à sa phase de mobilisation des connaissances. Le Consortium de formation des enseignants en français langue seconde a parcouru le pays pour présenter les constatations du rapport et promouvoir le dialogue lors de divers événements pour enseignants et professionnels. Les prochaines étapes comprennent la diffusion et le partage des résultats de manière accessible à un large public. We also completed our study on the impact of COVID-19 on additional language teacher practice with the publication of a report in December 2022. It reveals what language educators experienced during the pandemic, what innovations may have emerged, and how Gesalt might support language teachers as we move forward into a post-pandemic world. Également, au cours de la dernière année, nous avons appuyé deux projets de recherche dirigés par des enseignants de langue grâce à des subventions de 1 000 dans le cadre de notre programme de subvention de recherche et d'initiatives spéciales. Ce programme fait le pont entre l'expérience des enseignants et les initiatives de LAC+.
Consult advocates for quality educational opportunities for language learners, and we strive to increase awareness, appreciation, and understanding of the benefits of language learning throughout Canada and beyond. La troisième édition de notre concours de vidéo Les langues façonnent s'est déroulée du 30 janvier au 31 mars 2023. LACPLUS a invité les apprenants de langue à travers le Canada à créer des vidéos qui montrent comment l'apprentissage d'une langue additionnelle a contribué à façonner des aspects de leur identité, de leur personnalité ou de leur société. 8 langues différentes étaient représentées parmi les inscriptions. Félicitations à nos gagnants et gagnantes du concours de 2023. In response to New Brunswick's intention to transform its FSL programs, we wrote to the Minister of Education and Early Childhood Development and also participated in consultations held by the Government of New Brunswick. Consult was also an active participant in the Department of Canadian Heritage's efforts to gather stakeholder input on the proposed changes to the Action Plan for Official Languages 2023 through 2028. In addition to providing online feedback and submitting a position paper, CASALT board members and National Council representatives participated in local consultations. J'aimerais remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont appuyé LACPLUS au cours de la dernière année, y compris nos membres, nos bénévoles, le personnel, les représentants au Conseil national et les membres du Conseil d'administration. Je remercie également le ministère du Patrimoine canadien de son appui. Merci à tous et à toutes pour tout ce que vous faites pour l'enseignement des langues et pour votre participation au parcours de LACPLUS en 2022-2023.